Salut à tous, c'est Automatisme YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. La compagnie indienne Indigo commande 500 Airbus A320. Record absolu dans l'aviation civile. Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Indigo c'est une compagnie indienne, donc vous connaissez probablement pas vous. Mais moi je connais bien, c'est Indigo, voilà, Indigo c'est une compagnie indienne. Voilà. Ils ont commandé plus de 500 Airbus A320 et ce serait un record absolu. C'est le plus important contrat en volume jamais conclu dans l'aviation civile. Les appareils devraient être livrés entre 2030 et 2035. La compagnie aérienne à bas coût Indigo a annoncé lundi avoir, donc hier, avoir commandé 500 monocouloirs, donc 500 avions. La famille Airbus A320, ce qui est le plus important contrat en volume jamais conclu dans l'aviation civile. Ce contrat, cette commande ferme historique au prix catalogue théorique de 500, de 55 milliards de dollars a été relevé au premier jour du salon aéronautique du Bourget par le directeur général d'Indigo, Peter Elbert, c'est le nom du directeur d'Indigo, en présence du président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury. Elle concerne des appareils devant être livré entre 2030 et 2035. Ces nouveaux appareils, la famille A320, A320 Neo, comprend également l'A32. Je pense qu'il y a une erreur, je pense, dans l'article, à mon avis. Ces nouveaux appareils, la famille A320 Neo, comprend également l'A321 Neo. Donc, 321, c'est un petit peu plus grand qu'A320. D'une capacité en siège plus importante, porte à moins de 1230 le nombre de ce modèle de type commandé par la compagnie, qui compte surfer sur l'explosion de la demande de voyage aérien en Inde. De fait, une autre compagnie indienne, Air India, était à l'origine de la précédente plus grande commande d'appareils civils de l'histoire, 470 unités en février dernier, mais ventilé entre 250 Airbus et 220 Boeing. Indigo s'est déjà vu livrer 253 appareils de la famille A321 Neo. Une nouvelle destination tendance pour Transavia au départ de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. L'hiver 2023-2024 sera international et tendance pour Transavia. La filiale low cost du groupe Air France déploie sa première liaison Lyon-Dubaï. Après Antalya et Tlemcen au départ de Lyon-Saint-Exupéry cet été, Transavia vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle destination. La compagnie aérienne low cost proposera durant l'hiver 2023-2024 trois vols hebdomadaires entre Lyon et Dubaï. Le premier vol pour cette destination aura lieu le 29 octobre 2023. La liaison vers Dubaï sera effectuée les mercredis, vendredis, dimanche, avec des retours les mardis, jeudi et samedi. La commercialisation a débuté mardi 20 juin à partir de 150 euros l'aller simple. Une offre low cost Lyon-Dubaï avec Transavia. Pour la filiale low cost du groupe Air France, ce déploiement marque un nouveau tournant vers un déploiement à l'international depuis l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Avec ce vol Lyon-Dubaï, Transavia viendra en concurrence directe avec la compagnie Emirates qui a fêté les 10 ans de sa liaison avec l'Emirat et propose un vol par jour. Transavia proposera également une ligne Marseille-Dubaï en exclusivité dès le 31 octobre 2023 avec des jours d'aller et retour inversé par rapport à Lyon au même tarif. À partir du 29 octobre, les vols Paris-Cayenne d'Air France partiront depuis Charles de Gaulle. À compter du dimanche 29 octobre, la desserte quotidienne de Cayenne, donc Cayenne c'est en Guyane, par Air France s'effectuera au départ de Paris-Charles de Gaulle au lieu de Paris-Orly, annonçait la compagnie dans un communiqué. Exit Orly, bienvenue à Roissy. Ce changement d'aéroport renforcera la connectivité de la Guyane avec des opportunités
de correspondance sur l'ensemble du réseau court, moyen et long courrier de la compagnie, assure la compagnie qui a également inauguré sa ligne Belém-Cayenne début mai. Donc Belém, c'est au Brésil. Les vols de et vers Cayenne seront opérés par en Boeing 777-200, équipé de 28 sièges en classe business, 32 en classe premium economy et 268 en cabine economy, précise encore Air France. Les vols décolleront de Paris-Charles de Gaulle à 11h pour une arrivée à 16h15 en Guyane. Au retour, Air France quittera l'aéroport Félix Éboué, donc Félix Éboué c'est le nom de l'aéroport de Cayenne, à 18h30 pour une arrivée à Paris à 7h20 le lendemain. Les clients en correspondance à Paris-Charles de Gaulle pourront non seulement continuer leur voyage avec un vol assuré par Air France ou d'une de ses compagnies partenaires, mais également rejoindre l'une des 18 gares reliées à Paris-Charles de Gaulle par TGV grâce au produit Air plus Train. Train plus Air, proposé par Air France en partenariat avec la SNCF, explique encore la compagnie. À noter que les clients en possession d'une réservation pour des voyages à compter du 29 octobre 2023 seront contactés individuellement pour informer du changement d'aéroport. Pour les informer du changement d'aéroport. À l'aéroport de Brest, Transavia ouvre une ligne à destination du Maroc à partir du 1er novembre. La filiale low cost d'Air France, donc de nouveau Transavia, a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une ligne aérienne vers Marrakech, au Maroc, depuis l'aéroport de Brest. Envie d'aller au Maroc, Transavia, la filiale low cost d'Air France, vient d'ouvrir une nouvelle ligne à destination de Marrakech depuis l'aéroport Brest-Bretagne, à Guipava, a annoncé la compagnie dans un communiqué ce jeudi 15 juin 2023. De vols aller-retour seront proposés chaque semaine, tous les mercredis et samedis, à partir du 1er novembre prochain. Les vols sont d'ores et déjà ouverts à la vente à partir de 39 € toutes taxes comprises. Là, les simples. Ah ben, il a fini l'article. Dis donc, c'est un mini-article. Hein. Allez, on passe à la prochaine actualité. Mauvaise nouvelle si vous habitez à l'aéroport. Si vous habitez à l'aéroport. Mauvaise nouvelle si vous habitez à Bordeaux, car la ligne aérienne entre Bordeaux et Paris-Orly est officiellement supprimée depuis le mois de mai, apparemment. Ce mardi 24 mai, donc le 24 mai dernier, est paru au journal officiel Le Décret sur la suppression des vols intérieurs d'une durée inférieure à 2h30. Deux lignes sont concernées, dont celle reliant l'aéroport de Mérignac à celui de Paris-Orly. La suppression est désormais officielle. Le décret est paru mardi 24 mai au matin. Il n'y a donc plus de lignes aériennes reliant l'aéroport de Bordeaux à celui de Paris-Orly. C'est une mauvaise nouvelle si vous habitez à Bordeaux. Hein. Le décret publié au journal officiel interdit les services réguliers de transport aérien public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure dans chaque sens un trajet de moins de 2h30. L'interdiction porte sur les trajets en train qui desservent sans changement les mêmes villes et les aéroports concernés. Elle porte sur les trajets entre Bordeaux-Mérignac et Paris-Orly, ainsi que Lyon-Paris-Orly et Nantes-Paris-Orly. Les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport de passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic seraient entraînés par l'interdiction, ajoute le décret. Une ligne supprimée depuis 2020. La ligne Air France entre Bordeaux et Paris-Orly sans correspondance étaient déjà dans les faits supprimés. Inscrite dans la loi Climat et résiliente du 22 août 2021, elle avait effectué ses toutes dernières rotations l'année précédente à l'été 2020, donc il y a déjà plus de 3 ans. La compagnie aérienne avait en contrepartie bénéficié d'une aide du gouvernement et les concurrents n'ont pas eu les autorisations pour s'y positionner. L'interdiction officielle était, elle, suspendue le temps d'une enquête approfondie de la Commission européenne à la suite d'une plainte d'une partie du secteur aérien qui l'a jugée contraire au principe de libre prestation et inadaptée à la lutte contre le changement climatique. Bientôt, une nouvelle liaison aérienne entre Fort-de-France en Martinique et Belém au Brésil. Le 5 mai 2023, donc c'était il y a un mois et demi,
La compagnie Air France inaugure la première rotation entre la Martinique et le Brésil. Le vol hebdomadaire à destination et au départ de Belém sera assuré en Airbus A320 avec une escale à Cayenne, en Guyane. À partir du vendredi 5 mai 2023, donc il y a plus d'un mois déjà, le réseau régional Caraïbes desservira la ville de Belém. Au départ de Fort-de-France, l'Airbus A320 permettra chaque semaine de rejoindre la ville brésilienne avec des retours programmés tous les samedis via malheureusement une escale à Cayenne, car il y a quand même une escale quand même. Le service démarra à Pointe-à-Pitre où sont basés les avions de la compagnie française. Le vol fera une première escale à Fort-de-France avant de décoller pour Cayenne. Les passagers emprunteront le même appareil pour leur destination finale au Brésil. Selon le site web d'Air France, le prix aller-retour commencerait, écoutez bien, à 751 € par personne. Eh oui, c'est super cher malheureusement. Donc la 320, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet avion-là, regardez, c'est un avion moyen courrier. Depuis l'aéroport international Val de Cannes du Belém, il est facile de se rendre dans plusieurs régions du Brésil. En 2023, le transporteur Air France s'est engagé à augmenter ses rotations entre Cayenne et les Antilles avec une dizaine de vols hebdomadaires pendant les périodes de grandes vacances scolaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc oui, les actualités étaient très chargées aujourd'hui, mais heureusement, la plupart étaient positives. Hein, c'était que des... La plupart des actualités étaient positives, mais il y en a eu un paquet aujourd'hui, voilà. Vraiment un paquet d'actualités aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Voilà, impressionnant le nombre d'actualités qu'il y avait aujourd'hui. Donc on se retrouve de coup demain pour une prochaine vidéo sur Nathalie Favré pour un épisode de La vie de Matisse. Allez, bye bye tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back.